Khawti, salam alaikum, zoufla ou mesdames, c'est bonjour, chourat kounou kabkhir. Dans cette vidéo, on parle de l'entraîneur français Denis Lavane qui vient de quitter la Lajiaska pour l'équipe de l'ESMA. Le président du conseil d'administration de l'ESPA, Ousmane, de la Ligue 1, club de Ligue 1, Algérien de football, Achor Djelloul, a confirmé vendredi l'engagement de l'entraîneur français Denis Lavane en placement de Mounir Zardoud, appelé à occuper d'autres fonctions. Denis Lavane est le nouvel entraîneur de l'ESM Alger de la saison prochaine. Nous avons tout finalisé avec lui. Concernant Mounir Zardoud, nous préférons qu'il reste avec l'équipe première, sinon il sera chargé d'encadrer les jeunes du club, a affirmé le premier responsable, l'ESMA, sur les ondes de la radio nationale. Denis Lavane, âgé de 57 ans, est arrivé chez les Canaries en janvier dernier en placement de Youssouf Boubouzidi. Il a réussi d'abord à mener la GIASCA à la finale de la Confédération de la Coupe de la Confédération africaine de football, perdue le 10 juillet dernier face aux Marocains de Raja de Casablanca 2-1. Avant de reporter le 10 août la Coupe de la Ligue au dépens de Nedjem Gara, score final 2-2, et la GIASCA a gagné au tir de penalty 4-1. Denis Lavane a claqué la porte il y a quelques jours suite à un accrochage avec le président Cheikh Millal. Je vous dis que cette vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Goukoum salam alaikum. Au revoir.